La rencontre tant attendue entre Valence et le Real Madrid prévue pour ce week-end n'aura finalement pas lieu en raison de terribles intempéries qui ont frappé la région de Valence, causant de nombreux dégâts matériels et hélas des pertes humaines. La Fédération espagnole de football a décidé de reporter toutes les rencontres prévues dans la communauté valencienne. Cette décision est avant tout une mesure de sécurité pour garantir la protection des supporters, des joueurs et tout le personnel impliqué. Ce report permet également de mobiliser les ressources nécessaires pour venir en aide aux sinistrés et sécuriser les infrastructures. Nous envoyons de la force et du courage à ces populations en difficulté. Ce lundi, le Ballon d'Or a été remporté par Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, récompensant ses performances dans le jeu de son équipe. Pourtant, beaucoup avaient parié sur Vinicius Junior pour remporter cette distinction, surtout après des prédictions sorties un mois avant le Ballon d'Or. Quand Vinicius a été écarté, les fans n'ont pas tardé à réagir, criant au scandale sur les réseaux sociaux. La jeune star brésilienne, pilier du Real Madrid, reste néanmoins parmi les favoris pour les années à venir. Le débat continue. Qui aurait vraiment mérité ce trophée? Dites-nous tout ça en commentaire. Maintenant, rendons hommage à Cristiano Ronaldo, qui hier, il y a 21 ans jour pour jour, le 1er novembre 2023, alors âgé de 18 ans, inscrivait son premier but pour Manchester United contre Portsmouth. C'était le début d'une carrière légendaire. Ce jeune prodige portugais allait marquer l'histoire du club et devenir l'icône du football mondial. Avec ses dribbles explosifs, ses tirs puissants, il montrait à tous que sa détermination était sans limite. Ronaldo a enchanté les fans des Red Devils et a gravé son nom dans l'histoire du football. Et vous, quels souvenirs gardez-vous de Cristiano Ronaldo à Manchester? N'hésitez pas à interagir avec nous dans les commentaires. C'était tout pour nous. Alors n'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo à un de vos amis amoureux du ballon rond.